Bienvenue sur Livre pour Enfants Noirs. Aujourd'hui, nous allons lire Le loup ne mangera pas les sept chevreaux. Une histoire écrite par Alexandre Jardin, illustrée par Hervé Le Goff, lue par Philippe Brault. Le loup ne mangera pas les sept chevreaux. Depuis toujours, Salomé la coquette aime remplir son sac à main de petits trésors. Chaque jour, une fois pomponnée avec soin, Salomé se plonge dans un conte palpitant de son recueil préféré. Aujourd'hui, elle lit Le loup et les sept chevreaux. Il était une fois une maman chèvre qui avait sept chevreaux. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour aller chercher à manger, elle recommanda à ses petits. Faites attention au loup. S'il entrait, il vous mangerait. Il a une grosse voix et des pattes noires. C'est à cela que vous le reconnaîtrez. Peu de temps après, on frappa à la porte. Ouvrez, mes enfants. C'est moi, votre maman. Gronde une grosse voix. Ah non, s'écrie Salomé. Les adorables petits chevreaux, je ne peux pas les laisser se faire croquer. Aussitôt, elle saute dans le livre avec son précieux sac à main. Écoutez cette grosse voix, s'écrie-t-elle. Tiens, le loup. Ne lui ouvrez pas. Rusé, le loup s'en va avaler une grosse cuillère de miel pour radoucir sa voix. Puis il revient vite faire toc-toc. Ouvrez la porte, mes petits. Votre gentille maman est de retour. Mais il pose bêtement sa patte sur la fenêtre en même temps. Regardez, proteste Salomé. Quelle est noire et sale cette patte. Pas du tout comme celle blanche et douce de votre maman chérie. Ne lui ouvrez pas. Astucieux le loup va vite blanchir sa pâte avec de la farine, la repose sur la fenêtre et frappe à nouveau. Comme Salomé est occupée à démêler les poils du petit dernier pour qu'il soit bien beau, elle ne fait guère attention à ce qui se passe. Les chevreaux ne se méfient pas. Ils croient que c'est leur maman et ouvrent la porte. Affamé, le loup se rue dans la maison et bondit vers les chevreaux. Pour n'en faire qu'une bouchée. Vite Il faut agir En un clin d'œil, Salomé sort un petit tube de paillettes de sa poche et les jette aux yeux du loup. Il est obligé de les fermer et se les frotte en grognant. Vite Les chevreaux en profitent pour se cacher dans la maison. Mais le plus petit n'est pas assez rapide. Il reste seul au milieu de la pièce, tendre, appétissant. Un moment étourdi, le loup se reprend et fonce aussitôt vers le petit chevreau pour en faire son repas. Heureusement, Salomé la coquette est très courageuse. Elle se précipite et brandit son miroir devant le loup qui voit... Féroce. Paniqué, il s'enfuit à toutes jambes. Ouf! Les chevreaux sortent de leur cachette. Ils ont eu une peur bleue et dansent de soulagement dans le salon. Mais quand le loup comprend qu'aucune bête terrible ne le poursuit et qu'on lui a joué un tour, il revient plus enragé que jamais. Et il profite de la fête générale pour réussir à se faufiler directement dans la maison. Salomé l'aperçoit soudain et lui donne un coup de sac sur le museau. Oh. Stupéfait, le loup en perd tous ses moyens. Alors, aidé par ses amis les chevreaux, Salomé ligote le loup en un tour de main, avec de jolis chouchous de toutes les couleurs. Mais dès qu'il reprend ses esprits, l'animal ouvre largement sa gueule et se met à hurler. Que c'est dans son grand il est effrayant Heureusement, Salomé a justement dans son sac ses collants de danse qu'elle attrape pour attacher aussitôt le museau du loup. Qu'allons-nous faire de lui demande le plus jeune des chevreaux, qui l'a échappé belle. On pourrait lui limer les dents pour qu'il ne croque plus aucun enfant propose un chevreau en sortant une petite lime à ongles du sac de Salomé. Ou les lui brosser, car il ne doit pas les laver souvent, suggère un autre chevreau en attrapant la mini brosse de notre petite coquette. Mais non J'ai une idée murmure Salomé, le sourire aux lèvres, en tirant le loup par la queue. Et elle l'entraîne jusque dans la prairie. Toute proche au bord de la rivière. Sans hésiter, Salomé commence à maquiller le loup. Avec son mini rouge à lèvres, elle barbouille sa grosse truffe, puis lui fait des tresses multicolores dans ses longs poils à l'aide de petits rubans. Mais enfin, bredouille le plus jeune chevreau, qu'est-ce que tu fabriques petite fille Je rends le grand méchant loup Très ridicule, lance Salomé. Puis, elle pousse le loup au bord de la rivière. Il aperçoit son reflet dans l'eau et, vexé, fait exploser les chouchous avant de s'enfuir en faisant bien rire tous les habitants de la forêt sur son passage. Bon débarras, on n'en entendra plus jamais parler. Quand la gentille maman chèvre revient, avec de l'herbe tendre pour ses chevreaux, elle demande, Que s'est-il passé en mon absence Rien du tout, maman Répondent-ils d'une même voix, en prenant tous un air bien sage. Rassurée, Salomé peut revenir dans sa vie à elle. Décidément, les coquettes sont pleines de ressources, pas vrai On peut lire partout et tout le temps. Et toi, comment lis-tu Voilà, c'est fini. C'était Le loup ne mangera pas les sept chevreaux sur Livre pour enfants noirs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. bye, bye!